y est. Il se replie. On a réussi. On a réussi. Désolé, on a eu un contretemps. Je veux rassembler mes hommes. J'ai cru voir votre section là-haut dans le manoir. Les morts. Ah. Je ne veux pas qu'ils soient enterrés ici. Je veux qu'ils soient rapatriés. Je comprends. Ils l'ont bien mérité. Commandant Jakovits, tout va bien ? Vous serez bientôt chez moi. Ils vont bientôt se rendre. Les Boches ? Non, je crois pas. Pas tant qu'ils auront une position de repli. Quelle position ? Chambois. Je veux un calibre 30 ici. Huxley, trouve d'autres sacs de sable. Ça vient du Major Holden. Les Polonais et les Canadiens ont pris la colline 262. Les Fritz se replient. Rapidement. Droit sur nous ? Ouais, tous ces enfoirés jusqu'au dernier. Il va nous falloir plus de munitions. Munitions ! Il nous faut des munitions ! Il faut un chargeur sur la droite. Concentrez vos tirs. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Attendez le soutien. Attendez le soutien. On fait faire. Un mitrailleur à la calibre en marche dans son prénom. Attendez! Tenez bon, la cavalerie arrive! Mettez-vous à couvert, allez! Mettez le paquet! Sur la gauche! Un mitrailleur à la calibre 30 dans cette maison! Huxley, les hommes blindés vont pas tarder à se pointer. Trouve-nous des armes anti-char. Attendez! Ça reste fort. Allez, derrière ces sacs de sable. Suivez-moi.
Lève-toi ou t'es mort! Demande soutien aérien immédiat! J'envoie des fumigènes pour signaler notre position! Reste avec moi! American! Quoi vous faites? Laissez les gars d'apprendre à causer, Bosch! Si ça recommence, comptez plus sur moi pour demander du soutien aérien. Non, ça va aller, pas la peine de s'exciter, ok? La voilà notre sortie! C'est la compagnie Baker. Ils ont besoin de renforts de l'autre côté de la ville. Vous avez entendu? On fait de course! Allez! Allons-y! Écrasé par ces blindés, filez-moi vos fusées. Reviens ici tout de suite. Envoyez-moi un courrier, on va signaler les cibles avec des fusées éclairantes. Découvert. Faut qu'on élimine cette mitrailleuse, sinon Goudzon va faire des temps. Les avions vont exploser tout ce qui est près des fusées éclairantes. Couvre Goudzon! Goudzon va se faire massacrer par cette mitrailleuse! Cette mitrailleuse a réduit Goudzon en bouillie! Cette mitrailleuse a réduit Goudzon en bouillie!
fouillis. Reviens ici, espèce de crétin. Bouton a été touché. Bicote, Bouton est tombé près du fusée éclairant. Faut le sortir de là avant l'arrivée des avions. Suis-moi. Doucement. Ça va aller, mon gars? Voilà. Infirmier! Infirmier! Le sergent a pris une balle! Kulin, vous allez pas crever. McCullin m'a dit de te dire... Tenez le coup! Il m'a dit de te dire... Dix... D'aller au diable. Vous allez pas crever comme lui, Dix. T'es un mec bien. Quelqu'un aurait de quoi rafistoler... Qui est votre officier supérieur? Qu'est-ce que tu veux, soldat? Les frites se replient. On a besoin de vous de l'autre côté de la ville pour les chasser. Vous restez avec nous. On va avoir besoin de vous. Allez, en piste. Laissez votre barda, prenez vos armes et toutes les munitions possibles. On se dépêche. Les Boches essaient de contourner nos gars. Bougez-vous! En avant! Rejoignez avec l'autre protection! Attention, ça va péter!
Je jette une grenade. On passera. Les Allemands vont nous massacrer. Suivez-moi. Suivez-moi. Les Allemands, on aurait. Continuez à tirer, les gars. On y va. J'ai plus de munitions! Thank you.
fuir! Faites gaffe! Un char allemand! Un char Bosch! On a un blessé! Moi, c'est Guzzo. Y a qu'une règle. Mort, vous me servez à rien. Y a pas mieux pour motiver les troupes? Si tu cherches l'inspiration, t'as qu'à lire un poème. Les renforts canadiens et américains participent à la réduction de la poche de falaise. Ils coupent ainsi toute possibilité de retraite aux troupes allemandes. Quatre jours plus tard, les forces alliées libèrent Paris, mettant alors un terme à la bataille de Normandie.
Thank you.